Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on est sur Astérigos, Curse of the Stars, et c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu? Alors, en gros, ça a un peu les mécaniques d'un Dark Souls, dans le sens où là, vous voyez, je suis donc cette coupole représente donc les épées dans le sol dans les Dark Souls. Et on a donc plusieurs donc arbres de compétences. Donc je vais faire voir un petit peu tout ça. Donc là, on aura la possibilité. Donc là, c'est différent des Dark Souls, bien sûr. On aura la capacité de changer donc nos armes comme on veut. Hein. Voilà, donc je peux très bien jouer avec les lances, les bâtons et tout ça. Vous pourrez donc améliorer donc vos marteaux, vos épées, tout ça. Donc moi, j'ai choisi donc deux classes, hein, parce qu'on peut choisir entre les deux. Je vous ferai voir après. Ici, donc, on a des points d'attribut. Donc, le prêt. Donc, après, hop, on peut savoir à quoi ça va correspondre. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez justement la petite aide qui est ici. Hein. Après, il y a. Et pour les PV. Et ici, c'est tout ce qui est compétences. Donc, pour résumer, l'attaque, les PV et les compétences. Donc, c'est la puissance des compétences, bien sûr. Ici, après, on a les points de talent. Donc là, à chaque fois qu'on va gagner des niveaux, on va pouvoir avoir une sorte d'arbre comme ça. Et vous pourrez donc tourner l'arbre comme ça pour pouvoir apprendre différentes choses et talents. Donc ça sera des techniques, ça sera des améliorations en combat et plein de choses de ce goût-là. Ici, après, on aura notre inventaire, on a nos quêtes. Et c'est parti, maintenant, on va dans le jeu. Donc bien sûr, on va pouvoir courir, hein, donc voilà. Et on a donc une barre d'endurance que vous voyez là en jaune qui se vide. Allez, donc ici là c'est pas la peine parce que là j'ai déjà été. Donc voilà, donc moi j'adore vraiment ce jeu. Hein. Donc c'est assez sympa. Après bon bien sûr ça sera donc mon avis donc personnel. Hein, voilà. Mais le jeu il est plutôt bon. Donc là on voit, hein, je peux utiliser donc mes épées, mes boucliers et aussi mon marteau. Donc vous augmentez à peu près, moi j'ai choisi une classe de chaque pour être sûr. Hop. Voilà. Donc là c'est un objet de quête. Donc il sera amené à fouiller un peu partout. Donc il faudra vraiment fouiller partout pour pouvoir justement trouver d'autres choses. Donc là hop. Faire là. Ah, vous voyez ici. Hop, voilà. Je vais être récompensé de. Hop, là c'est les kunai. Alors au niveau côté musique, on est vraiment bien. Franchement, ouais, les musiques sont sympas. C'est vraiment cool. Là, apparemment, je pourrais pas passer. Ça va être un peu embêtant. On va devoir aller ici. Donc là, on pourra avoir donc des super coups. Vous pourrez aussi loquer. Donc là, hop, voilà. Vous pouvez loquer comme ça et tourner autour de la proie, bien sûr. Allez, et là maintenant on va aller sur la suite de l'aventure. Bon, apparemment lui, c'est pas méchant.
Ah ouais, ils sont pas méchants. Bizarre. Donc là, ici, il y a des reconstitutions de scènes. Généralement. Donc là, je vais passer, bien sûr. Pour que ça aille plus vite. Essayer de voir par derrière. Donc au niveau ambiance sonore, on est plutôt bon, hein. Ah, il tue le Minotaur avec son gros pilier là. Dans ce jeu, faut pas jouer bourrin parce qu'on peut vite se faire tuer, bien sûr. Donc là, on va essayer d'aller voir en haut. Pour une fois les locks, ils sont assez intéressants. Ça permet de bien esquiver les ennemis. Là, on vient de d'avoir un journal de quête là, qui a été mis à jour. Oula. Là, je suis dans un guet-apens. Donc là, on voit, je vais vite perdre de la vie. Donc là, il va falloir loquer. Alors le marteau il est assez utile dans le sens où il permet de mettre les monstres à terre et de les stun. Donc ça c'est plutôt intéressant comme... je vais d'abord aller par là. Comme mécanique. Ça permet justement de vous sortir des fois de mauvais pas. Donc il y a plein de choses à trouver, hein. Là, ils sont en train de régaler un loup-garou, là. C'est pas moi, moi j'ai rien vu.
Ils l'ont attaqué dans une ruelle là. J'aime bien Louis, il marche comme badass là le mec. Il va me suivre, non? Non, il va pas me suivre. Il fait quoi là le loup? Tu me suis, tu me suis pas. Oh. Alors attends. Je le sauve et après il veut me tuer. D'accord. C'est pas très gentil le loup. Apparemment il y avait Alzheimer. C'est pareil, il s'est pas souvenu que je l'avais aidé. Allez, hop hop hop. Donc là ça me fait penser un peu à Bloodborne, des fois qu'on tapait pour avoir des quêtes ou autre. Ça me fait penser un petit peu à ça. Ah là, il y a un rituel. Ça va piquer, je le sens. Faut pas rester devant. Oula. Donc là, je vais briser la garde. Allez, viens ici, toi. She spreads the gospel of the Empress with her sword. A new form allows her to transcend and conquer her weakness. I sincerely couldn't care less about Eulalia's needs. Where is Marissa? I know her. How I wish. But no, for I must concentrate on liberating the people from the devil. Oh, ça sera plus facile d'en tuer un par un. Allez, allez. Il y aura peut-être un boss là, je sais pas. Non. Of the Ethrus.
c'est bon là, t'es mort. Hein. Hop, alors là, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? We heard the sounds of battle stop. Yeah, I dealt with them. Thank you, stranger. What happened? We're followers. We heard you must be blessed. Quoi, il y a des trésors ou pas? Donc là, c'est un point de réapparition si jamais je meurs. On va pouvoir réapparaître. Donc après, généralement, si vous vous reposez, tous les ennemis aux alentours vont revenir. Hein, comme dans les Dark Souls, bien sûr. Donc, pour l'instant, je peux pas encore prier. Si... Non, pour l'instant, il se passe rien. Bizarre ce gars-là. Bon, apparemment, il va falloir l'esquiver. Excusez-moi les loups, mais d'abord... Alors je me suis carrément carapaté. Voilà, comme ça après je me suis ouvert un petit chemin qui me permettra de retourner là si jamais... C'est un petit raccourci comme les Dark Souls. Hein. Allez, on va essayer d'esquiver cet oiseau de malheur. Alors j'ai voulu ramasser les petites potions. Ça vous allez voir, hop, que je vais réapparaître là. Ah, ça c'est de malchance. Donc faut pas s'arrêter apparemment. Allez, hop, on va retenter notre chance. Donc en tout cas, j'espère que la présentation déjà du jeu vous plaît. Hein. Why didn't he turn into Stardust? Que voilà. Bon, après, moi, je passe une bonne aventure. Hein, franchement, honnêtement. Avoir deux fois deux coups sur coup, c'est un peu chaud, un petit peu chaud là. Ouais, je me suis arrêté, je pensais que ça aurait passé, mais non, en fait non, ça passe pas. Ouais, c'est pas grave. Troisième essai, ça devrait être bon.
he turn into stardust? Il faut que je trouve vraiment le... Ah, ça c'est stressant ça. Il faut vraiment que je trouve le truc là pour pouvoir se barrer. Ça me rappelle les dragons qui crachaient du feu dans Dark Souls. Allez. Après là, j'ai aucune idée de là où je dois aller. Why didn't he turn into stardust? C'est bon, j'ai trouvé la route. Bon, on a trouvé la route. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, je m'excuse de me faire tuer en chaîne comme ça, mais là, c'est malheureusement, je trouvais pas la bonne route. Donc là, normalement, ça devrait aller. Avec un petit coup de slalom, ça devrait passer. Comme ça, si jamais il y a des petites galères, ça permettra de voir un petit peu comment passer ce truc. Why didn't he turn into stardust? Donc là, je vais, hop, on va régénérer sa petite barre. Allez, on est parti. Hein. Bon, c'est bon, je suis passé. Oh, it's dangerous. Je suis passé. Ah. Alors, ils tendent une embuscade là. Ah, faudrait pas que je meure parce que là, ça va être un petit peu dramatique sinon. Allez, dégage. Ah non mais... Ce n'est pas ça, attends, oh, charmant. Il y a le magicien qui en profite là pour me niquer la tête. Tiens, mange-toi. Ah là, il va faire sa vieille technique de feu là, non? Voilà. Hop. Ah. Comme je vous disais, voilà, donc il faut pas hésiter, il faut fouiller un peu partout. Des fois, on peut trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Alors là, c'est quoi? C'est encore un. Ah, c'est un. Ok, c'est un passage. Pour pouvoir revenir si jamais je meurs. Ok. Toujours utile de fouiller un peu partout, comme ça je serai plus obligé de me retaper le vieil oiseau tout pourri. Il y a rien là. Non, il y a rien. Bon,
Voilà, c'est une grande place. Bon, en tout cas, donc voilà. Donc, j'espère que donc la petite vidéo présentation vous aura plu, que le jeu donc vous aura plu aussi, et on va se donner un prochain rendez-vous pour de prochaines aventures sur O80 Gaming, et surtout portez-vous bien.